sur notre plateau. Ce soir, notre invité principal, c'est Olivier Besancenot. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis très heureux de recevoir celui qui incarne l'extrême-gauche dans ce qu'elle a de plus agressif et de plus violent. Vous avez fait quoi à Copé pour qu'il dise ça? Vous avez mis son courrier dans la gueule ou quoi? Ouais, je sais pas. Non? Ou alors je le distribue plus, je sais pas. Mais ouais. Mais c'est... côté violence, le gouvernement, ils en connaissent un petit rayon. Ah, parce que si c'est vous le plus agressif et le plus violent, on n'est pas prêt de faire la révolution quand même. Ouais, ça va. Hein? Donc Olivier, en P1, nous parlerons de vous, de votre vie, de vos idées, de votre combat, illustré par le livre que vous publiez aux éditions Mille et Une Nuits avec Daniel Ben Saïd, qui s'appelle « Prenons parti pour un socialisme du 21e siècle ». Alors, c'est publié aux Mille et Une Nuits, ça veut dire que c'est un conte de fées, quoi. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais c'est pas une histoire à raconter pour les enfants, non, c'est un peu plus que ça. En tout cas, c'est un livre qui prend tous en relief l'année de la crise et la semaine de la grève. Vous avez vu, donc, tous les Français dans la rue, hein. Mais enfin, vu ce qui se prépare, il vaut mieux qu'ils s'habituent à vivre dans la rue, les Français, peut-être, non? Ouais, mais là, c'est pas pour... c'est pas triste qu'ils y vont. Ils vont avec de l'orgueil. Avec de l'orgueil. Je dirais avec de l'orgueil et de la dignité. Alors, en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Gérard Darmon, qui nous parlera aussi de son troisième album, intitulé « On s'aime ». Alors, c'est au sujet de cet album que Gérard Darmon a déclaré « L'amour est le plus fort et j'y crois encore ». C'est une phrase pour laquelle il a reçu le prix Sophie Talman de la pire phrase à la con en interview. Toujours en P2, nous rejoindra Alexis Brézé, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Oui, il est brillant. Je suis sûr qu'il va arriver à vous faire changer d'avis sur Sarkozy. Ouais, bon, c'est du courage alors. Ouais. Puis vous allez adorer son Loden aussi. Et en P3, après le zapping aiguillon et avant le champion de l'actu, nous recevrons Marc Fiorentino pour son livre « Un trader ne meurt jamais » chez Robert Laffont. Alors c'est des mecs comme lui hein, qu'on fait chuter toutes les bourses du monde. Hein. C'est pas vous. En fait, j'en sais rien du tout parce que je suis comme tout le monde. C'est complètement opaque, donc c'est difficile à dire ce qu'ont fait les Kerviel et compagnie. Quoi. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et l'orchestre « Les Gréements de fortune ». Alors, Olivier, avant de parler de vous, je voudrais qu'on commence par la grève de jeudi. Vous vous souvenez de cette phrase de Sarkozy? Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Là, quand même, il a été obligé d'annuler son voyage au Congo, là, vous avez vu. Ah bah, je pense qu'il l'a vu, la grève. Ouais. Mais pour les faire plier, il faudra autre chose. Pour les faire plier, il faudra qu'on soit des millions, qu'il y ait un mouvement de masse, comme on avait fait au moment du contrat de première embauche. Ouais. Alors, vous avez fait grève pour défendre les emplois, les salaires, les services publics, etc. Rien pour les ours polaires, Olivier? Vous en branlez, des ours polaires, Olivier? Non, on s'en branle pas. En fait, ça a été un peu la vanne de la semaine, c'est dire, en fait, la grève, elle est trop globale. Ouais. Il y a un espèce de fourre-tout, mais le point commun entre tous ceux qui étaient là, et là, il n'y avait pas que du secteur public, il y avait du secteur privé, c'est que finalement, on s'est rendu compte que Sarkozy avait promis qu'on allait travailler plus pour gagner plus, et qu'en fait, qu'on soit dans le public ou dans le privé, on travaille plus, plus dur, plus d'activité, pour être payé exactement la même chose, et comme t'as le cours de la vie qui augmente, en vérité, on se fait avoir. Alors, c'est une vraie grève avec des slogans, des bastons, des CRS, des sandwichs merguez et tout. Il y a la totale. La vraie grève. Les merguez, les fumigènes, le mégaphone, à l'ancienne, quoi. Ah oui. Ouais. Mais dites-moi, vous croyez pas que pour faire pression sur les politiques, il suffirait de bloquer la buvette de l'Assemblée nationale, non? Hein? Ouais, peut-être, mais peut-être que ça les rendrait un peu agressifs. Mais en tous les cas, la rue, elle a un rôle à jouer, voilà, moi je le dis clairement. Le contrat de première embauche dont je parlais tout à l'heure, je rappelle qu'il avait été voté sur les bancs de l'Assemblée nationale. Hein. Mais Olivier Chirac, il a plié, mais. Et Sarkozy, vous croyez qu'il va plier, lui? Pas plus fort que les autres. Hein. Ah, ouais. Pas plus fort que les autres. Ah, il va y avoir de la baston. Hein. Olivier, mort de rire, ça a été votre réaction quand Alain Krivine, Léon Saguir, François Sabadeau, les leaders de la LCR à l'époque, vous ont proposé d'être leur candidat, le candidat de la LCR, au présidentiel. Mais ça vous est tombé dessus quand même Bah, rapidement. Vous étiez préparé à ça? Ah non, bah, pas une seconde. Enfin, d'abord, moi, je suis pas né en me disant un jour, je serai candidat à l'élection présidentielle. Quand je me suis engagé en politique et que j'ai milité, ce que je fais toujours, c'est pas dans l'idée de me dire un jour, je passerai à la télé. Et voilà, j'étais pas du tout parti dans ce délire-là. Donc, il a fallu me convaincre politiquement. Et au fur et à mesure qu'il y avait des arguments politiques pour dire que finalement, à l'époque, un jeune facteur
C'est une super idée. Pas, non, vous êtes pas... très bon. Non, non, mais ils sont très forts. Parce que vous avez un côté franc, sincère. C'est une super idée. Ouais, mais c'est une super idée et on peut se le dire après coup. Et moi, j'ai flirté avec 1% des sondages pendant pas mal de temps quand même. Ouais. Hein. Et je me souviens qu'il y avait plein de spécialistes, d'analystes qui expliquaient que c'est parce que j'étais jeune et j'étais facteur que je pouvais pas faire plus d'1%. Ouais, ouais. Et après, c'est les mêmes qui ont expliqué que finalement, si j'avais fait un peu plus de 4%, c'est parce que j'étais jeune et j'étais facteur. Ouais, ouais. Je crois que la direction politique de la LCR, elle a eu du flair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, le salariat, il n'est plus tout à fait le même qu'il y a... Ah, c'est plus le Front populaire, hein, c'est sûr. Il y a une certaine vision un peu ouvriériste, là je dis dans le mauvais sens du terme, de ce qu'était la classe ouvrière. Dans le sens, la classe ouvrière, c'était la classe ouvrière un peu virile, en bleu de travail sur la chaîne de montage. Ouais. Cette classe ouvrière, par ailleurs, elle existe toujours aujourd'hui. Il y a 7 ou 8 millions de personnes qui existent et qui ont été un peu invisibles aux yeux de la gauche. Mais nous, la classe salariale qu'on défend, c'est 85% de la population qui vit avec moins de 2000 euros par mois. Mmh. Et ouais, je pense que le flair, leur intelligence, ça a été de dire, voilà, là, en effet, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, donc après, j'étais d'abord mort de rire et puis ensuite, j'ai été mort de rire. Résultat, donc 4,25% en 2002, vous devenez un homme politique qui compte dans le pays. Aujourd'hui, vous avez 60% d'opinion favorable, c'est-à-dire c'est plus que Fillon et Bertrand. C'est pas mal. Pas mal. Et en septembre, 13% des gens disaient qu'ils auraient voté pour vous dans une élection présidentielle. Alors le problème, évidemment, c'est d'organiser ce mouvement, d'où votre idée de nouveau... Parti anticapitaliste, NPA. Vous êtes devenu quand révolutionnaire ? C'est ce crime raciste dont vous avez été témoin étant jeune ? Il y a eu en effet un déclic, ça a été une agression raciste, et puis le climat général de l'époque, hein, Le Pen qui montait, qui montait. Et puis, j'avais, comme beaucoup, un sentiment de révolte face aux injustices sociales. J'étais conscient qu'il y avait les riches et les pauvres. Et puis je me suis dit... je vais voir ceux qui ont envie de changer le monde. Et donc, j'étais voir la LCR à ce moment-là. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? 14 ans. Donc, à 14 ans, vous n'êtes pas dit, je veux devenir riche, moi aussi. Vous avez dit, je vais me battre pour les pauvres. Je me suis dit, je veux changer le monde. Le système actuel, il fait des guerres et du racisme. Et je crois qu'on ne peut pas le... Ah ouais. On peut pas bricoler avec. Je me suis dit, tout changer. Ouais. C'est bien. Ouais. Et je le crois toujours. Ouais, ouais. La révolte, je le garde intact. L'envie de déglinguer son téléviseur, des fois, quand on regarde le 20h, ça m'arrive encore, Faut pas regarder TF1. Alors, vous êtes porte-parole de la LCR. Et c'est vrai que parfois, on a le sentiment que, comme vous êtes porte-parole, vous êtes un peu une machine à débiter du dogme. On a le sentiment que vous êtes LCR 24-24, quoi. Débiter du dogme, je dirais pas ça, parce qu'on n'est pas dogmatique. La représentation médiatique, en fait, c'est quoi ? C'est 4 ou 5% de mon activité militante. Ouais. Hein. Le restant, moi, je suis toujours salarié à 70%, mais je milite dans mon entreprise. Moi, je vous ai vu qu'une fois vraiment laisser tomber le masque. C'était dans Tout le monde en parle. Vous étiez face à Kukierman, qui était le patron du CRIF à l'époque, et qui vous accusait d'être antisémite parce que vous n'êtes pas pro-sioniste. Et là, vraiment, vous aviez les larmes aux yeux, quoi. Vous trouviez ça tellement injuste que ce type-là vous traite d'antisémite que vous étiez prêt de pleurer, quoi. Bah, je me suis pris une baffe ce jour-là, ouais. Mais bon, je me suis vacciné depuis, puis il faut se laisser pousser un peu la peau, quoi. Alors, c'est vrai que vous manquez peut-être un peu de dimension personnelle à la télévision, évidemment, à une époque où finalement les électeurs ont besoin de ça. Vous savez bien vers quoi on va, la démocratie d'opinion, l'émotion, etc. C'est le sens de l'histoire. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu trop abstrait ? C'est le sens de l'histoire médiatique. Oui. C'est vrai que c'est peut-être aller un peu à contre-courant, mais moi, je ne bougerai pas. Non, mais vous êtes très secret, par exemple, votre vie personnelle. C'est pas secret, c'est pudique. Ouais, pudique, c'est ça, absolument. Et putain, j'ai envie de dire, mais que tout le monde le soit un peu. Ouais, ouais. Que tout le monde le soit un peu. Ouais, il y a des responsables politiques qui montrent leurs femmes, leurs gosses. On ne vous a jamais vu en photo avec votre enfant, par exemple. Jamais. Quand bien même je serais le seul à le penser, j'estimerais que faut respecter soi-là. Faut respecter soi-là. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez dit « je n'avais pas anticipé ce risque de personnalisation ». C'est vrai, c'est le seul truc que je n'avais pas prévu, moi, mes petits camarades. Ouais. Voilà, dans les manifs cette semaine, y a des tas de grévistes qui m'ont dit « allez Olivier, on est tous derrière toi ». Et moi, je ne veux pas ça. Parce que moi, j'ai envie qu'on y aille ensemble. Enfin, si c'est utile pour la révolution qu'il y ait de la personnalisation, après tout, vous en foutez ? Non, je ne m'en fous pas. Ah bon ? Peut-être mon côté libertaire, mais moi, je milite parce que... pour que chacun fasse un peu, à la hauteur de ce qu'il peut, librement. Quand vous êtes sur le canapé de Drucker le dimanche après-midi, vous pensez que vous servez votre cause ou que vous la trahissez un peu, quand même ? Ah, moi, je suis convaincu que je la sers. Ouais. Sinon, j'irai pas. Et puis là, j'assume. Pour moi, c'est pas une émission people, c'est une émission populaire. Voilà, puis je sais qu'on a fait passer des messages forts. Il y a eu des témoignages
de salariés victimes de licenciements et de conditions de travail extrêmement pénibles. Ouais. Alors, il y en a qui disent que ce n'est pas politiquement correct. Non, non, mais c'est Gramsci, c'est pour détourner un avion, il faut être dedans. Hein, voilà. De toute façon, c'est l'entrisme. Voilà, c'est tout. Alors, bon, enfin, à visage découvert, quand même. Ouais, parce à visage là, découvert. Pour passer incognito. La seule chose de votre vie qui a été un petit peu médiatisée, c'est votre boulot de facteur. Il faut dire ça, bon, ça vous rend crédible, évidemment, quand on sait que vous levez tous les jours à 5h45, que vous faites d'abord le tri et ensuite la tournée en vélo, des kilomètres en vélo, jamais. De contrôle positif, hein, toujours. Non, heureusement, mais... heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas de contrôle, Julien. Voilà. Tout ça pour. Non, mais tout ça pour 1058 euros par mois, quand même. Ouais. Non, mais c'est quand même. Mais c'est un truc de dingue, ouais. Et moi. Mais là, faut savoir que nous, on n'a même pas de 13e mois. Ouais. Et faut savoir, pour donner juste un ordre d'idée, que la prime pour l'intéressement à la Poste, ils ont versé la direction 25 millions d'euros. La seule campagne de publicité pour vanter les mérites de la privatisation, qui ouais. avait été votée pourtant par personne, Bailly, il a mis 45 millions d'euros. Ouais. Ça veut dire que les 290 000 postiers valent moins qu'une campagne de pub de La Poste aujourd'hui. Vous êtes diplômé de l'enseignement supérieur, licencié en histoire. Ce n'est pas un licenciement abusif. Non, non, ça va. Bon. Pourquoi vous avez choisi facteur? Parce que vous auriez pu faire mieux quand même. Ouais, bah en fait, c'est tout con. Hein. Moi, j'étais étudiant salarié ouais. beaucoup, donc je bossais à mi-temps dans un supermarché. Et puis... il fallait commencer à chercher un boulot stable, et c'est le premier concours que j'ai vu. Hein. J'ai découvert un métier, un vrai métier, qui est un beau métier, et je le dis, pourtant, moi, je suis à Neuilly, la ville la plus riche, qui est quand même à fond Sarkozy, mais même à Neuilly, par exemple, la ville la plus riche, je sais qu'il y a des petits vieux, ils attendent le passage du facteur, y compris sur ma tournée, parce qu'on est simplement la seule personne qui va passer. Puis il y a une ambiance particulière. Voilà, donc je regrette pas, mais c'est vrai que c'est pas une vocation. Mais non, maintenant, vous pourriez changer de boulot, quand même. Déjà... Je vois pas quel employeur. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, voilà. Romain. Oui, non, pas et, moi. Et non, comme non. Les CV sont toujours pas anonymes, ça va être un peu compliqué. Pas besoin, Snow. Voilà, mais maintenant. Il va te coller une grève le lendemain. Voilà, et le seul truc que je revendique en revanche vis-à-vis du restant de la classe politique, parce que moi, quand je distribue le courrier, mais les gens, ils m'arrêtent. Ouais. Mais c'est vrai, alors. Ah oui. C'est pas une légende. Mais je l'entends tout le temps dans la rue, même ceux qui me disent. Qui me croient pas. C'est l'air du temps qui veut ça. Parce qu'en fait, on admet. Que les responsables politiques, en fait, pratiquement la plupart, ils n'ont jamais bossé de leur vie. Ouais. Non, ils décident de notre vie quotidienne. Ouais. En fait, la vraie question qu'on devrait poser en politique, c'est aux responsables politiques en disant, mais dis-moi, t'es en train de parler de notre vie quotidienne, mais t'as jamais bossé de ta vie. Ouais. Comme vous le savez, en P2, nous recevons de nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Ce soir, Gérard Darmon et Alexis Brézé. De Gérard Darmon. Voilà des garçons bienveillants. Dès que c'est des êtres humains, ça marche moins bien. Tu comprends? C'est la supériorité de la machine, évidemment. Alors, est-ce que vous connaissiez Olivier Besancenot? Je suis ravi de le rencontrer pour la première fois. C'est-à-dire, vous avez déclaré, ce qui m'irrite le plus, c'est l'injustice. Oui. Vous avez oublié l'hypocrisie et la fin dans le monde, mais enfin, vous allez vous faire un copain, en tous les cas, avec une phrase comme ça. Mais oui, on parle de thèmes forts comme ça, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Mais oui, commençons déjà par résoudre ça. Commençons une évolution pour après aller à la révolution. Waouh ! Alors voilà, Alors, Alexis Brézé, donc, vous êtes directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Vous avez compris, ce soir, c'est vous le mec de droite. Hein. Eh oui, j'ai l'habitude de l'être. Oui. Alors à vous de convaincre, Olivier, que Sarkozy est un type formidable. C'est pas que ça, être un mec de droite. Que le capitalisme est une idée très chouette, très bad. Ouais. Bon alors Gérard, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour votre troisième album, donc, intitulé « On s'aime ». Alors c'est un album qui parle avant tout d'amour. On va dire ça. Vous avez ça. Fait gaffe à ne pas donner de nom, quand même. Non, je ne vais pas donner de nom. Non, vous êtes prudent. Prudent et circonspect. D'accord. Donc, On s'aime, écrit et composé en compagnie de vos amis Marc Lavoine et Marc Esposito, donc vos complices du cœur des hommes, c'est tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient passer une semaine tous les trois dans le Gers, et ils ne savaient pas quoi dire à leur femme, et ils ont dit, on va faire un album. C'est pas loin. Et très franchement, je m'attendais à une espèce de voyage gastronomico. Foie gras et tout. Foie gras, pétaradant. Ouais. Bon, bref. Ouais. En réalité, ça a été très laborieux dans le sens labeur. Et grâce à l'énergie, je dois dire, de Lavoine,
qui était comme inspiré. Parce que quand il écoute l'album maintenant, il me dit, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai composé les musiques. Ouais. Il a été très vite et il était très inspiré. Puis surtout, il faut le dire, il y a votre voix. Mmh. La devise de Gérard, c'est « Dans la vie, rien n'est grave sauf ma voix ». C'est pas moi qui l'ai dit, j'aurais bien aimé, mais... C'est le Barry White français, vous savez, ça, quand même. Oui, enfin, je quoi, 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 je, si, n'ai si. Que, je n'ai que le White, hein, de Barry. Ah, si. Alors, la chanson qui tire l'album s'appelle « Dans les rues de ma jeunesse mm-hmm. », et c'est comme par hasard celle que vous ne vouliez pas faire, évidemment. Avec oui. le flair que vous avez, vous êtes dit, celle-là, je ne la fais pas. Ce n'est pas une question de flair, Thierry, c'est une question de pudeur. Ouais, mais ouais. les deux zigotos à côté, les deux Lascar, ils m'ont dit, mais on ne te lâche pas tant que tu, tant ouais. que tu ne chantes pas cette chanson. Voilà. On ne te lâchera pas et on arrêtera l'album tant que tu ne la chanteras pas. Et moi, je suis passé vraiment partout, je leur ai tout fait. Je leur ai dit, je ne veux pas, c'est une chanson pour Macias, c'est laï, 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 j'en veux pas de ce truc, j'aime pas la mélodie. Vous me faites chier avec vos trucs dans la vie de ma jeunesse, ça veut dire quoi? Et puis quoi encore? Je vais faire taper tout l'Olympia. Bah écoutez, le plus simple, c'est de regarder à quoi ça ressemble. D'accord. Dans les rues de ma jeunesse, les filles, c'était des princesses. Les voitures, c'était des déesses. Sagan faisait bonjour tristesse. Dans la maison de mon enfance, ma chambre était un placard. Je me lavais dans la cuisine et le dimanche au bain public. Sur les écrans de ma jeunesse, les filles ne montraient pas leurs fesses. J'aimais Bénur et les westerns et m'envoler loin de la scène. Dans les journaux de mon enfance, il y avait Buck John et Blake le Rock. Voilà, dans les rues de ma jeunesse, extrait de Ronsen, le nouvel album de Gérard Darmon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça fait super la blague, hein? Ça fait super la blague. Ouais. Bien, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Cette semaine, toutes les télés et toutes les radios ont rediffusé ça. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Oh, mais arrêtez de rediffuser cet extrait! C'était juste une blague! Il y a qu'Éric Woerth, le ministre du budget, qui a pris ça au premier degré. Résultat, pour failloter auprès de Sarko, il s'est mis à dénigrer la grève, pile la semaine où il fallait pas. Je trouve qu'il y a d'autres moyens de le dire que de descendre dans la rue un peu traditionnellement, comme on le fait depuis 30 ou 40 ans en France. Eh ben bravo! Il y a déjà 70% des Français qui soutiennent la grève générale. Il veut mettre de l'huile sur le feu ou quoi? Mais pendant que t'y es, Eric, tu veux pas dire que le gouvernement a choisi le camp des patrons contre celui des travailleurs? RLC. Éric Woerth, ministre du budget. On se quitte avec le questionnaire des grandes gueules. C'est rapide, toujours pas d'arguments à donner. MEDEF ou CGT? À MEDEF. Non mais il est dingue! Enfin, Eric! Après ça, comment veux-tu que le gouvernement arbitre les négociations entre les partenaires sociaux? Il faut au moins faire semblant d'être neutre! À qui profite la crise? Bah à l'extrême gauche, pardi! Selon un sondage, si on avait organisé le premier tour des présidentielles en septembre dernier, Besancenot aurait fait 13% des voix. Du coup, Sarkozy en profite aussi! Si l'extrême gauche dépasse les 10%, les socialistes ne sont pas prêts de revenir au pouvoir. Pour siphonner les voix des communistes, Mitterrand s'était engagé à nationaliser l'économie. Pour siphonner les voix du FN, Sarkozy a mis des flics partout pour expulser les sans-papiers. Du coup, pour siphonner les voix de Besancenot, les socialistes, ben, je sais pas moi, ils ont qu'à dire qu'ils sont de gauche. Mais oui, on sait bien que le PS, ils sont pas à gauche, puisqu'ils sont à l'ouest. On est champions, on est champions, oh là 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 là, comment on les a pliés les ricains. Monsieur Obama faisait son mariole avec 2 millions de personnes rassemblées à Washington, eh ben il la ramène moins, parce que notre président à nous, il a fait mieux. Près de 2 millions de Français sont descendus dans la rue rien que pour lui. Vu qu'en France on est 5 fois moins nombreux qu'aux États-Unis, autant dire qu'Obama est battu à plat de couture. Ah vraiment, il est trop fort ce Sarko. Allez, si tout le monde reste mobilisé, il y a certainement moyen de faire mieux la semaine prochaine. Il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, y'en a marre des boniments. Il nous manque, avec son flot de promesses, il saoulerait un régiment. Il nous manque, ça fait des mois qu'on réclame et il fait l'étonnement. Il nous manque, il nous paye une misère et il veut des remerciements. Il nous manque, voilà, très bien.
C'était les infos de Blacko. Ah, mise en image de Julien Grabe, voilà. Elle vous plaît la chanson, là, hein? Il nous ment, c'est comme Boniment. C'est bon. Hein? Vous la connaissez pas, vous? Vous étiez le seul qui chantait pas, quoi. J'ai failli la chanter. Ah ouais, vous la connaissez, quoi. Mais là où il ment pas, c'est quand il dit qu'il y a une crise, elle est pour tout le monde. Ouais. Sarkozy, en fait, cette fois-ci, il s'est calmé, quand même. Il est pas venu au journal traiter les gens d'irresponsables, quoi. Il l'a mis un peu en veilleuse, hein. Il a dit, c'est normal que les gens protestent, il y a souffrance, c'est pas facile. Je me souviens, il a dit, il faut que j'accepte ça avec sang-froid. Voilà. Avec calme. Il se raisonne. Il essaye de se convaincre en même temps qu'il parle. Et puis, bah ouais, faut qu'il se fasse un peu discret parce qu'il énerve les gens. Oui, mais avec la répression. Le service minimum, c'est comme une loi qui a été votée, non? Mais c'est là où ça va leur revenir. Mais là, elle a été votée, la loi. Non, mais elle a été votée, mais justement, c'est un exemple typique où le gouvernement est en train d'énerver tout le monde, mais dans tous les camps. Là, il énerve les grévistes, bon, ça, on le savait à peu près, mais il énerve ses propres électeurs. Parce que Sarkozy l'avait promis, avec moi, vous verrez, les trains, vous les aurez tout le temps. Il n'y aura plus de grève, il n'y aura plus de galère. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand il y a des motifs d'insatisfaction, il y a encore des grèves, il y a encore des luttes. Des fois, c'est la pagaille, c'est vrai, mais n'empêche que c'est une réalité. Alexis, dès qu'ils sont énervés aussi, c'est les passagers de Saint-Lazare. Ils sont très, très, très énervés. Et ils ne sont pas énervés par Sarkozy ni par le service minimum. Ils sont énervés par le fait que la loi, elle n'aille pas assez loin. Il s'est passé un truc la semaine dernière qui est quand même important. Ils ont pris à partie les cheminots. Les gars, les cheminots, ils étaient obligés de se réfugier dans le poste de police pour ne pas se faire tabasser par les passagers. Ça veut dire que ce genre de mouvements incontrôlables peuvent avoir des conséquences graves. Parce que si les gens commencent à se bastonner dans les gares, on ne sait pas où ça s'arrête. Hein. Il y a quand même des trucs choquants. Les cheminots qui font grève 59 minutes oui. Au moment où le train part, ça, c'est pas normal. C'est pas bon. Ils font grève 59 minutes, ils perdent un peu d'argent, ils foutent le bazar au moment où le train démarre. Résultat, le soir, on a besoin de faire revenir du monde, on leur paye des heures supplémentaires, et à l'arrivée, en ayant fait 59 minutes de grève, ils gagnent plus que s'ils n'avaient pas fait grève. C'est pas normal. Tous les gens... Ben oui, j'en suis sûr. Ouais, bah écoutez, ben j'en suis sûr. Mais si vous voulez vraiment aller dans le détail, puisque on sait bien que le Figaro s'intéresse à toutes ces histoires dans le détail, mais dans ces cas-là, il faut donner l'ensemble du film. Ils ont fait grève à la SNCF depuis 3 semaines sur les questions d'embauche et les conditions de travail. La direction de la SNCF, elle a refusé la moindre négociation. Je dis bien la moindre. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tracté beaucoup pour remonter les usagers contre les cheminots. Et vous l'avez dit, ils y sont arrivés en grande partie. Et moi, je le regrette. Moi, je le regrette, mais je comprends. Il n'y a pas besoin de la direction. Les gars, ils n'en peuvent plus. Je sais ce que... Oui, mais bon, d'accord, OK, c'est sympa de parler pour les banlieues. Au nom des banlieusards, pour une fois, au nom du Figaro, nous, les banlieusards, on les connaît. On les connaît et on sait, c'est vrai que c'est galère de ne pas avoir de train, surtout quand on n'est pas prévenu. Mais moi, je dis la faute à qui? Et moi, ma réponse à moi, c'est dire que c'est la faute à la direction de la SNCF. Et je rappelle une dernière chose. C'est que dans 95% des cas, ça c'est les chiffres officiels, les retards de train, les annulations et les galères dans les transports, c'est pas dû aux grèves, mais aux fautes de moyens qui sont en train de laisser crever le service public. Aujourd'hui, il y a 2 fois moins de visites sur les caténaires, par exemple, dans les trains. Pour l'histoire du droit de retrait, qui est encore un truc qui est scandaleux, ça c'est illégal. Normalement, le droit de retrait, c'est qu'on a le droit de faire grève parce qu'on est en danger immédiat. Il y a des grévistes qui font grève parce qu'un type, ce qui est très malheureux, s'est fait agresser la veille à 50 km. Ils ne sont pas en danger immédiat. Donc là, on est vraiment dans l'illégalité. Et franchement, moi, je crois que Sud joue contre la SNCF. Il faut voir que dans 2 ans, le trafic des passagers sera ouvert à la concurrence. Et bien, quand les gens ils auront le choix entre les trains de Deutsche Bahn, les trains de Virgin... Entre Bolloré Railways, Lagardère Railways, Dassault Railways et la SNCF... Je connais bien cet argument-là. Je connais bien cet argument-là. Il y a quand même une expérience de la privatisation des chemins de fer en Grande-Bretagne qui était une catastrophe du point de vue de la sécurité. Je sais. La sécurité, il faut savoir oui, que vrai. Les opérateurs privés, puisque le but du jeu, c'est de faire du pognon. Bah oui, c'est normal. Il y a des mecs qui se suicident. Bah oui. Ils se jettent sur les rails. L'ordre qui était donné aux cheminots de ces entreprises privées, c'était de ne pas s'arrêter. Je ne plaisante pas. Parce qu'on était en période de pointe, que c'était le moment où on ramenait un maximum de bénéfices. Ça veut dire qu'ils ont roulé et rouler encore sur le corps d'une personne suicidée. Et ça, c'est arrivé partout où il y a eu des privatisations. Non, il y a un truc, c'est que... Bon, ce qui a énervé les gens, on l'a bien vu quand il y a eu la grève jeudi, c'est que finalement, ils ne comprennent pas pourquoi on a donné tout ce pognon aux banques, pourquoi Sarkozy n'a pas annulé au moins le paquet fiscal, parce que là, quand même, 15 milliards d'euros, il aurait pu l'annuler. Vous voyez, au moment où on demande à tout le monde de serrer la ceinture parce que c'est la crise. Mais c'est comme les patrons des banques qui prennent du pognon, mais qui ont pris 2 millions d'euros, alors qu'on vire leurs employés, quand même. C'est... Pour les banques, ça, c'est scandaleux. Ouais. Alors, Sarkozy a décidé de soutenir l'investissement et pas la consommation, en disant, si je soutiens la consommation, c'est les Chinois qui vont en profiter.
Et en fait, pas vrai. C'est un truc que j'ai appris cette semaine. 75% de ce qu'on consomme est fabriqué ici. Donc, pourquoi pas relancer la consommation ? Parce qu'on l'a déjà essayé. Ouais. On l'a essayé en 81. Oui, c'est vrai. Et ça a été un désastre. Alors, pourquoi recommencer un truc qui a été un désastre ? Et pourquoi ça a été un désastre ? Parce qu'on creuse les déficits, parce qu'on relance la dette, et parce qu'il y en a quand même une grande partie... En filant des milliards aux banquiers, on fait bien la même chose, de toute façon. Non, alors, de toute façon, les banquiers, alors là, c'est pour éviter un autre désastre, qui est l'effondrement du crédit et la ruine des épargnants. Ouais. Si les banques s'étaient effondrées, si elles s'effondraient demain, c'est la ruine pour tout le monde. C'est comme ça qu'il faut voir, c'est pas pour le plaisir de donner de l'argent aux banquiers. Ouais. Tu vois ? Faut pas être inquiet, en fait. Bien, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Des commissions occultes sur des contrats d'armement ont-elles servi à financer la campagne présidentielle de Balladur en 95 ? C'est la piste évoquée par un rapport des policiers de la Direction nationale des affaires financières. Selon ces enquêteurs, la société écran qui aurait servi à faire transiter des commissions occultes a été créé avec l'aval de Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget. Forcément, on aimerait en savoir plus. Sauf que le procureur de Paris n'a pas saisi de juge d'instruction dans cette affaire, en raison de l'ancienneté des faits. Oh, mais c'est un bon procureur, chat. Gentil, le procureur, il est gentil. Allez, va renifler un peu les comptes de Julien Drey. Allez, va, va. Oh, ils sont vraiment pas très sympas, ces Palestiniens. Ils ont réussi à faire pleurer Ehud Olmert. Le premier ministre israélien affirme en effet avoir versé des larmes en regardant à la télé le témoignage d'un Palestinien qui avait perdu ses 3 enfants dans un bombardement. Oh, le pauvre! Déjà qu'il avait bien du chagrin, voilà qu'en plus, Amnesty International accuse Israël d'avoir commis des crimes de guerre en bombardant la population civile de Gaza avec des obus au phosphore. Résultat, l'armée israélienne a déconseillé à ses plus hauts gradés de partir en vacances en Europe, car ils pourraient être arrêtés si un mandat international est délivré contre eux. Alors ils font pleurer le Premier ministre, ils empêchent les soldats de partir en vacances, oh, ils exagèrent à la fin ces Palestiniens. Benoît XVI a annulé l'excommunication de 4 évêques intégristes, parmi eux, Mgr Williamson, un évêque anglais, qui en décembre dernier a nié l'existence des chambres à gaz à la télévision suédoise. I believe there were no gas chambers. Yes. Bon ben, la prochaine fois que Sarko ira au Vatican, au lieu d'emmener Bigard, il aura qu'à emmener Dieudonné. Voilà, c'était les infos de Blacko 2. Mise en image de Julien Grave. Voilà. Olivier, vous avez manifesté évidemment quand il y avait la guerre à Gaza. Ça ne vous gêne pas les slogans antisémites que vous entendez dans les manifestations pour les Palestiniens ? Il n'y en a pas. Et quand il y en a, on les chasse. Ouais. Nous, on fait le ménage. On fait le ménage. Et on l'a fait samedi dernier, d'ailleurs. Moi, je suis effondré de... C'est-à-dire que le prisme dans lequel on nous montre ce problème du Moyen-Orient est terriblement subjectif. Croyez-moi, il y a tout Israël qui veut la paix. Et je suis très sensible au fait que vous ayez dit que toutes les connotations antisémites qu'il pouvait y avoir, une espèce d'amalgame, parce que, évidemment... L'antisémitisme sournois s'infiltre toujours dans ce genre de brèche. Ça a commencé avec la crise financière, évidemment. La faute de qui ? La faute des Juifs, ça c'est obligatoire. Ensuite, les images terribles, je vous l'accorde. Je suis comme vous, je suis un être humain, terrible de ce qu'on a vu sur Gaza. Mon seul problème, c'est que mes sources de renseignements, c'est le journal de 20h et quelques canards, quelques torchons qui sont prêts de toute façon à tirer à gros boulets sur Israël. Il y a quand même une subjectivité terrible, quoi. Et je n'admets pas qu'on puisse traiter un peuple et Israël de cette façon-là. On les voit comme des nazis, comme des bourreaux, alors que c'est pas ça du tout. Il faut aller dans le pays ou parler avec eux et savoir ce pays qui n'existait pas il y a 60 ans. Qui est ce qu'il est, qui est la seule démocratie, vraie démocratie au Moyen-Orient. Mais croyez-moi, je n'ai qu'une seule envie, c'est que ce conflit s'arrête. Quand on avance dans l'âge comme moi et qu'on est un peu mystique, on peut penser que tout ça arrivera avec le Messie. Ouais. Mais et que le Messie, c'est pas quelque chose de comme ça,
ça peut être simplement un être humain, ça peut être un arabe ou un juif qui tout à coup... C'est vrai que ça manque de grands hommes depuis la mort de Rabin, le Moyen-Orient. Probablement, oui, probablement. Ouais. Nous, dans toutes nos manifestations, on a toujours dissocié le peuple israélien, du gouvernement israélien. Mmh. Et on ne met pas tout dans le même paquet. Sur le traitement médiatique, mille excuses quand même d'expliquer que les journalistes, s'ils ne pouvaient pas rentrer dans le territoire de Gaza, c'était pas de la faute des manifestants, c'était pas la faute des Palestiniens, c'était le gouvernement israélien qui ne voulait pas que les journalistes rentrent. Moi, je vois Figaro Magazine, on a beaucoup traité ce truc-là, et on a vraiment essayé de montrer qu'il y avait des souffrances des deux côtés, des gens qui voulaient la paix des deux côtés, et des gens qui voulaient se taper dessus des deux côtés. Entre des morts par roquette de temps en temps, et 1500 morts en une semaine, c'est pas la même chose. Mais non, il faut pas dire ça, Thierry, c'est tous les jours que Dieu fait, il en fait le bougre. Hein ? Maintenant, je veux dire, qui a fait monter les islamistes au début des années 80, si ce n'est le gouvernement israélien, dans l'optique affichée de réduire l'OLP ? Donc aujourd'hui, on dit on ne discute pas avec le Hamas parce que c'est un mouvement terroriste, mais sachons quand même que depuis 60 ans avant, il ne fallait pas discuter avec l'OLP parce que c'était aussi des terroristes. Absolument. Ce qui se passe là-bas n'est pas un problème entre les Juifs et les Arabes, c'est un problème entre un gouvernement israélien qui mène pour moi une guerre d'occupation, alors on a le droit d'être d'accord ou pas là-dessus, avec le peuple de Palestine, mais ce n'est pas tous les Arabes de la région, parce que dans le débat, hein, il y a aussi l'ensemble des chefs d'État arabes qui ont laissé une grande complicité pour que le peuple de Gaza subisse le martyr qu'il est en train de subir maintenant. Donc parce c'est vrai que de toute façon, ça les arrange. Il y a énormément de choses à discuter. Vous savez combien de Palestiniens israéliens il y a de pourcentage en Israël ? Il y a 20%. 20% de Palestiniens israéliens. Et je peux vous dire, moi qui connais Israël, ça se passe très très bien. Alors, Benoît XVI qui accepte le retour dans l'Église de 4 évêques intégristes, dont un négationniste. Mais c'est honteux. Alors, je vais te dire, en tant que catholique, je trouve ça horrible pour nous. Voilà. Surtout après Jean-Paul II, qui était allé à la synagogue de Rome, qui s'était mis à genoux, qui avait dit l'Église catholique est la fille aînée de la religion juive. Il a demandé pardon. C'était réglé. Tout le monde était content. L'autre arrive. Moi, je dirais qu'une chose, comment peut-on croire en Dieu et pas en l'Holocauste ? Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de preuves de l'Holocauste que de preuves de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Juste. Moi, je ne veux pas me mêler aux affaires internes de l'Église catholique, bien entendu, mais je suis choqué par ça. Et c'est quand même aussi, si on veut être vigilant sur l'antisémitisme, il faut l'être de part égale avec tous les secteurs de la société. Parce que la petite musique que j'ai entendue ces dernières semaines, c'est que l'antisémitisme, c'était dans les quartiers populaires. Hein ? Moi, je ne suis pas angélique. Je sais ce qui se passe dans les cités, dans les banlieues, mais je dis ça parce qu'il y a aussi tendance à toujours pointer du doigt les jeunes des quartiers. Les jeunes des quartiers sont tout. Ils sont homophobes, sexistes. Ils sont antisémites. Il y a aussi une France bien blanche qui est bien antisémite. Et l'antisémitisme dans la société, il n'est pas colporté d'abord par les quartiers populaires. Et c'est aussi important de rappeler ça à un moment donné. Alors, oui. Alexis, je vais vous laisser filer. Merci d'avoir été avec nous en tous les cas. Merci beaucoup. Comme vous le savez, en P3, nous recevons souvent un témoignage. Ce soir, Marc Fiorentino. Pour son livre « Un trader ne meurt jamais » chez Robert Laffont. Voilà. Marc, bonsoir. Bonsoir. Marc, vous avez été trader. Alors, c'est marrant, je m'attendais à voir débarquer un mec avec des putes, du champagne, un costume Armani argenté. C'est ça. Hein ? Non ? Non ? Les cheveux gominés en arrière, la chemise blanche. Wall Street, Gordon Gecko. C'est l'image. Les clichés. Mais ce n'est pas les clichés complètement, puisque c'est un peu l'image de Marc des traders et des années 80. Mais ça fait un peu 80s, c'est passé, quoi. C'est passé. Enfin, vous nous raconterez la réalité du métier. Mais d'abord, j'accueille Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Bonsoir, Stéphane. À vous, Stéphane Guillon, pour la semaine de Stéphane Guillon. Benoît XVI vient d'annuler l'excommunication de Mgr Williamson. Ce dernier nie l'existence des chambres à gaz. Si Dieudonné cherche une nouvelle ordure pour un prochain final au Zénith, Williamson se fera un plaisir. Les riches dans la tourmente. Titre VSD, Roman Abramovitch, 15 milliards de pertes. Liliane Bettencourt, 5 milliards. Le prince Al-Walid, 3 milliards. Et délai. Un numéro vert s'affiche à l'écran. Envoyez vos dons. Merci.
Et les temps sont durs pour les riches. Cécilia Attia s'est fait dérober 500 000 euros de bijoux dans un appartement à Neuilly qu'elle n'occupe plus depuis qu'elle vit à Dubaï. Quand vous déménagez dans le Golfe, pensez à prendre vos bijoux. Putain. C'est belle, quoi. Avec cette grève de merde, on oublie de penser aux riches. Ouais. Hein, Olivier? Olivier, il n'y pense jamais. Il est égoïste. Une mauvaise nouvelle pour Jean-Louis Borloo. Les hommes sont plus fragiles face à l'alcool. Christine Bravo, en revanche, a fêté cette info toute la nuit. Une bonne nouvelle également pour Martine Aubry. L'année 2009 est l'année du buffle. Dans Match, sur une double page, Roger Carucci déclare « La révélation de mon homosexualité, ce n'est pas du marketing. » Pas du tout. Roger Carucci, dans sa cuisine, mangeant du roquefort, c'est une information politique capitale. La semaine prochaine, Nadine Morano révélera son hétérosexualité en mangeant de l'époisse. À Genève, le salon de l'horlogerie a présenté un modèle de montre à complication d'une valeur de 200 000 euros. Les parrains d'SOS Racisme veulent bien l'offrir à Julien Drey, mais il faut que ça lui fasse Noël et anniversaire. Il n'y aura rien d'autre. Le bichon maltais est un chien violent, mais qui a bon goût. S'il a mordu le président Chirac, il a également dévoré la garde-robe de Bernadette. Le plus jeune fils de Philippe de Villiers réitère ses accusations de viol contre son frère Guillaume. À mon avis, c'est vrai. Quand t'as été élevé en Vendée par Philippe de Villiers, que ta seule sortie de l'année, c'était une visite au Puy du Fou, est-ce que tu finis pas par te taper ton frère ? Rachida Dati va quitter le gouvernement pour Strasbourg. Strasbourg, aucune boutique Dior. Deux boutiques de prêt-à-porter, le dé à coudre rue du Bouclier et mille et une aiguilles rue Aubertin. On est de tout cœur avec elle. Courage, Rachida. Le père de la petite Zora Dati, qui récemment encore hésitait à reconnaître l'enfant, renonce. Vivre à Strasbourg, c'est au-dessus de mes forces. Télévision, sur France 3, Patricia Cass se confie à Mireille Dumas. Faire l'amour, c'est beau, on s'abandonne, on est bien. Grâce à la suppression de la pub, enfin de vraies soirées culturelles. Est-ce que Patricia se douche après avoir eu un rapport ? Allons encore plus loin dans la qualité des débats. Estelle Lefébure accumule les déceptions amoureuses dans Gala. Elle nous raconte sa vie sans Arthur. Dans VSD, elle nous raconte sa vie sans tabou. J'aime bien. Ouais, mais non. Je l'ai écrit jeudi. J'aime bien. Jeudi, les humoristes étaient en grève. Ah ouais. C'est pas non plus d'une qualité folle. Les manchots pourraient disparaître. Le manchot disparaît. Tendons-lui la main. Ça aussi, c'est jeudi. C'est jeudi. Pour arrêter les pirates somaliens, les militaires français sont de plus en plus efficaces. En revanche, pour arrêter la connerie sur l'île de la Tentation, personne ne fait rien. Et on termine avec la phrase de la semaine. La phrase de la semaine, Éric Woerth, le ministre du budget, déclare « Faire grève en pleine crise, ce n'est pas bon pour la France. Pourtant, depuis 2 ans, le gouvernement travaille et vu le résultat, ce n'est pas bon non plus pour la France. » À la semaine prochaine, merci beaucoup. Merci Stéphane, merci. C'était Stéphane Guillon, on le retrouve la semaine prochaine et sur canalplus.fr. Alors, Marc Fiorentino, rebonsoir. Vous publiez chez Robert Laffont « Un trader ne meurt jamais ». Vous conseillez d'acheter le livre maintenant ou qu'il baisse un peu de façon à maximiser nos bénéfices ? Je conseille de l'acheter maintenant et de le vendre plus cher. D'accord. Alors, comme votre héros, Sam Ventura, votre père était un riche juif d'origine italienne de Tunisie, qui a tout perdu au moment de l'indépendance en 1956, et vous, vous grandissez dans une HLM de Vincennes, boursier, bon élève, HEC,
Et à partir de 12 ans, dites-vous, l'argent et la compétition sociale deviennent votre moteur. Donc une revanche, en fait, sur ce qui était arrivé à vos parents, votre histoire. Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un point commun avec Olivier Besancenot, puisque mon père a travaillé dans le centre de tri Paris-Austerlitz pendant 40 ans. Et il a été retraité des PTT à l'époque. Et j'ai moi-même travaillé quasiment tous mes étés au centre de tri Paris-Austerlitz pour payer mes études. C'est-à-dire que quand on est pauvre, il y a deux solutions. Hein. C'est soit on veut devenir riche, soit on aide les pauvres à être moins pauvres. Olivier, il a eu le courage de prendre la deuxième solution. J'allais dire, des fois, c'est pas forcément contradictoire. Enfin, pas au point peut-être de trader, mais en tous les cas, après, chacun vit sa vie. Moi, je sais ce que c'est que la réalité, en effet, des couches populaires. Et pour parler crûment, quand il y en a un qui peut s'en sortir, tant mieux. Il n'y a personne qui va lui jeter des cailloux. Donc, à la bourse, vous devenez rapidement une star. Et à 28 ans, vous avez gagné 3 millions d'euros, ce qui est pas mal. Alors, votre spécialité, c'est de miser sur la chute des bulles spéculatives. Alors, ce que j'ai appris en lisant votre bouquin, et qui est très bien fait, évidemment, très informé, c'est incroyable sur la crise, c'est qu'on peut gagner de l'argent quand les bourses s'effondrent. Ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre, qui est un roman, c'est comment, en fait, se monte la spéculation. Je vous explique, par exemple, comment a été manipulé le marché du pétrole, pourquoi tout le monde a payé ici son essence deux fois trop cher, et qu'il y avait, en fait, une collusion complète. Alors, la collusion, c'est bien évidemment, là, Olivier Besancenot va être d'accord, c'est Total, c'est les compagnies pétrolières, c'est le gouvernement français, c'est George Bush, mais c'est aussi le Venezuela. C'est-à-dire que Chavez spécule. Le Venezuela, 95% de ses ressources, c'est le pétrole. Ouais. Donc le Venezuela aujourd'hui de Chavez a besoin de ressources pour calmer la grogne sociale, parce qu'il y a une grogne sociale aussi au Venezuela, pour donner des aides aux populations. Il a besoin de revenus pour avoir ces revenus-là. Il est obligé de faire monter le pétrole. Vous dites que les bulles sont au marché financier ce que les guerres sont à l'armement. Ça veut dire qu'il y a des dommages collatéraux dans les guerres, et il y en a dans les marchés financiers. Parce qu'aujourd'hui, les ouvriers de Renault ou de Peugeot qui sont au chômage technique, alors ils n'ont même pas besoin de faire la grève, c'est leur patron qui leur demande de ne pas bosser. Donc, mais ça va plus loin que ça. Ce que j'explique dans ce roman, c'est comment on construit une bulle, et qu'effectivement, l'industrie financière, c'est une industrie qui se nourrit de bulles. Elle crée des bulles tous les 5 ans, et ensuite elle les fait exploser. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, vous expliquez, évidemment, la crise, les montages foireux, la cupidité. Enfin, ce qui est dommage, c'est que vous ne l'ayez pas écrit plus tôt. Parce que ça nous aurait peut-être permis d'être moins surpris quand tout ça nous est tombé dessus en septembre, non ? On a une crise de ce type, tous les 10 ou 15 ans, avec des modes de fonctionnement qui sont différents, des conséquences qui sont différentes, mais des conséquences sociales qui sont toujours les mêmes. On a toujours des crises, on a toujours une explosion, et on a toujours la chute de la croissance. Ce qu'il faut dire quand même simplement aussi, c'est que le capitalisme, alors c'est facile de le décrier, c'est quand même un système qui a créé de la croissance depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous défendez ce système-là avec un cynisme qui me fait revendiquer clairement un projet utopique, mais sur l'analyse, je suis d'accord avec vous. Mais vous le présentez brut de décoffrage. Voilà. Il a complètement raison. C'est chacun de son côté du miroir, mais on doit penser la même chose à ce niveau-là. L'hypocrisie des gouvernements actuels, qui disent il y a le méchant capitalisme financier et il y a le gentil capitalisme industriel, c'est une blague. Ouais. Personne n'y croit. Le capitalisme financier, il vient du capitalisme industriel, il naît et il vit en son sein aujourd'hui. Bien sûr. Le pire dans le système capitaliste, c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les laisser faire. C'est que la seule façon que le système a trouvé de se réguler, c'est par des cracks. Et il a parfaitement raison. Dans les cracks actuels, il y a des groupes qui spéculent à la baisse. Il y a en gros les gros requins qui bouffent les plus petits. On refait du ménage, sauf que le petit problème, et c'est là où je revendique ma part d'utopie, c'est que c'est la majorité de la population qui paye la facture. Moi, je préfère imaginer autre chose. Mais là où j'en veux un peu à Olivier Besancenot, c'est que quelque part, de ne pas chercher à comprendre. Il ne cherche pas à comprendre le capitalisme. C'est-à-dire, et du coup, il n'arrive pas à lutter contre. Par exemple, il y a des manifestations devant la bourse. C'est ridicule, il n'y a plus rien à la bourse. Alors, c'est symbolique. Mais au lieu de bloquer la SNCF, il vaut mieux aller manifester devant les banques. C'est dans les banques que tout se passe. Ce que vous dites, Marc, vous dites heureusement que l'extrême gauche n'y comprend rien, sinon il y a longtemps qu'ils auraient fait un mai 68 en plus violent. Absolument. J'ai envie de lui dire, prenez 6 mois de cours de finance et puis allez vous battre sur le vrai terrain. Il y a des vrais problèmes et il y a en plus des avenues qui sont larges comme ça dans lesquelles on peut s'engouffrer. Je suis vachement touché par tant de sollicitude pour l'extrême gauche vu de là où vous êtes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que bon, on va s'en passer, on va dire. Vous jouez les gros bras en disant, mais le système, il tient, il est bon. Oh. Le mot crise systémique, il vient d'où ? C'est des économistes, tout ce qu'il y a de plus libéral, qui nous ont expliqué aux 20 heures, des gens qui, comme nous, étaient en train de manger la soupe, mais
Il y a eu une crise systémique. Crise systémique, ça veut dire qu'en deux jours, ouais, le système a failli s'effondrer de lui-même. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont mis des milliards d'euros. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas dire qu'il est si solide que ça et on est en droit. Voilà. Par contre, quand Sarkozy lui dit qu'il faut revenir au capitalisme entrepreneurial, là, c'est un anachronisme. Parce que c'est revenir à une phase qui n'existera plus. Dans votre bouquin, il y a un truc incroyable. C'est vous dites, si les gens savaient ce qui se passait à l'époque, ils ne nous auraient jamais filé leur pognon. Quoi. Hein, oui. Alors, il y a au moins un truc, en tous les cas, sur lequel vous serez d'accord tous les deux, Marc et Olivier, c'est qu'il est impossible de moraliser le capitalisme. Impossible. Et vous aussi. Donc voilà. Donc, je n'ose pas dire que j'ai un point commun, parce que sinon... Mais si, ça s'applaudit, ça. Je pense, ouais. Toi, de toute façon, tu l'as mis où, ton pognon? Dans ma poche. Ouais. Tu sais où il est, quoi? Dans ma poche. Bien. Alors, on va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine. On passe au champion de l'actu. Mardi 17 février se déroulera à Paris une manifestation pour le retour de la croissance de Lionel Jospin, des entreprises délocalisées, de Cécilia Sarkozy, du franc, des maisons closes ou de la peine de mort. Du franc, bravo. Il l'a dit avant moi, mais... Ah, c'est toi qui l'as dit. Nous, on travaille en équipe. Vous savez, oui. C'est un mouvement qui s'appelle le renouveau français. Ça, je sens très bien, d'ailleurs. C'est intéressant. Mais le renouveau français, monsieur. Ça serait possible, ça, non? Non. Non, voilà, donc on n'en parle pas. À quelle occasion Kate Blanchett a-t-elle déclaré « Je vais être léché par des millions d'Australiens et j'ai hâte ». À l'occasion de la plus grande partouze jamais organisée à Sydney, à l'occasion de la sortie d'un timbre à son effigie, ou à l'occasion de la sortie d'une nouvelle crème chantilly dont elle est l'icône publicitaire. Crème chantilly, c'est pas le timbre. Non, crème chantilly, il a dit. Là, ça a été piégé, la question. Quoi? Le timbre, c'était le timbre. Le timbre, très bien. Il a dit la crème chantilly. Bah oui, parce que ça me plaisait, l'idée. Ouais, l'idée est marrante. Léchée par des millions d'Australiens. Alors, les Australiens font des timbres avec leurs stars, avec Kate Blanchett, Nicole Kidman, Russell Crowe, etc. Pour résoudre la crise du logement des étudiants, où va-t-on les loger au Havre à la rentrée 2009? Sur des péniches, dans des caravanes, dans des conteneurs à cargo, dans des cartons, dans des tentes, sur d'anciens paquebots amarrés à quai ou dans des prisons? Moi, je dirais anciens paquebots. Non, c'est pas loin. C'est prison, non? Alors, non. Les conteneurs. Voilà, dans des conteneurs. Voilà, ils ont 27 mètres carrés chacun. Le conteneur a une durée de vie de 60 ans. Et voilà. Il n'est pas beau, le système? C'est pas bien, ça? Ah, hein, voilà. Ils ne sont pas contents, les mecs. Et ça fait des manifs, en plus. Heath Ledger a été nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle à titre posthume pour Batman Dark Knight. Pour la soirée, les organisateurs auraient prévu d'installer son urne funéraire sur un fauteuil. Vrai ou faux? J'ai peur que ce soit vrai. Vous pensez que c'est vrai, toi? Bah, je pense que c'est faux, mais c'est mon ouais, côté... Toi? Je crains que ce soit vrai. Non, c'est faux. Mais c'est pas loin. Heureusement. Je pense qu'au César, une urne Gérard Darmon sur un fauteuil des Césars, ça serait... Mais je vais te tuer, toi. Mais pourquoi? Mais j'ai pas dit demain. Ah bon? Non. Dans 100 ans. C'est gentil. Christine Kelly, journaliste de LCI, est nommée au CSA. Il y a un an, de qui avait-elle écrit la biographie? Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, Brice Hortefeux, François Fillon ou Carla Sarkozy? Je sais pas. Une très flatteuse biographie intitulée « Le secret et l'ambition ». Peut-être Carla. Secret et l'ambition. Carla, hein. Vous savez pas? Quelqu'un sait? Si. François Fillon. Mais Claire Chazal a fait une biographie de Balladur. C'est vrai. Comme quoi, toutes ces journalistes... Ouais. Gérard Blanc nous a quittés dimanche dernier. C'était le chanteur de Martin Circus. Compléter les paroles de son plus grand tube. Je m'éclate au Sénégal avec... Ma copine de cheval. Ma copine de cheval. Bravo. Et je le dis parce qu'il y a une chanson extraordinaire de Gérard Blanc qui s'appelle Une autre histoire, qui est une très très belle chanson. Voilà. Qui a dit Sarkozy est complètement à l'ouest? Barack Obama, François Fillon, Angela Merkel, Olivier Besancenot ou Gérard Darmon? Ouais, Olivier Besancenot. C'est quand il a opposé un gentil capitalisme industriel
à un méchant capitalisme financier. Ce qui est normal, c'est Olivier Besancenot est à l'Est, lui. Oui. Ouais, hyper pas drôle. C'est une bonne blague. C'est une bonne expression, hyper pas drôle. Stéphane, qui est en tête? Olivier Besancenot. Parce qu'on n'a aucune importance, oui. Parce que la vie est injuste, comme le capitalisme. Et je ne veux pas écraser les autres. Et les compteurs sont remis à zéro pour le Super Bowl. Que photographient ces photographes? Nicolas Sarkozy. Oh, Mimi Mati. Le chien de Barack Obama. Bill Clinton bourré allongé par terre. La Bible sur laquelle a juré Barack Obama, le stylo de Barack Obama ou la chaise de Barack Obama. Le chien, je dirais. Non. Non. Le stylo. Hein. Le stylo, bravo. Olivier Besancenot. Je sais que tu ne veux pas écraser les autres, mais là, tu les écrases. Un big up pour Olivier Besancenot. Bravo. Bon voilà, c'était Salut les Terriens avec Olivier Besancenot pour Prenons Parti pour un socialisme du 21e siècle avec Daniel Ben Saïd, que j'aime beaucoup. C'est publié au Mille et Une Nuits. Gérard Darmon pour On s'aime, son troisième album déjà. Le Barry White français. Alexis Brézé du Figaro Magazine qui nous a quittés. Marc Fiorentino pour Un Trader ne meurt jamais. Chez Robert Laffont, excellent pour comprendre la crise. Je vous laisse avec mes amis de Groland Magazine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.